calcul. À qui ai-je l'honneur de ne pas pouvoir parler aujourd'hui? Allô? Il y a quelqu'un? Standardiste d'ambiance derrière musique interchangeable. Allô? Allô? Oui, je suis là. Non, je ne bouge pas. Oui? Oui? Toujours là? À vous demander pardon de bien vouloir m'excuser, de ne surtout pas vouloir vous déranger. Allô? 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 Toujours et encore là. Attends d'ouvrir à vos portes. Allô? 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 Toc toc. Allô? Allô? Et comprendre que tu n'es qu'un point grotesque du décor. Une petite musique discount au milieu de l'hypermarché. Le ridicule dans le sublime et réciproquement. Lorenz, c'est ça. C'est ça. Allez, allez Jean-Michel. Fous-moi toute cette amertume à la veine et saute sur le cynisme. Allez. Oh, Abdallah. Ah, moi c'est Abdel. Qu'il était bleu le ciel et grand l'espoir. L'espoir battu. Je mourrai ma tête dans les flammes. I will die with my head in flames. Ces mots de Lorenz me hantent. Lorenz est un spectre que nous chassons à la croisée des chemins. Lorenz, j'ai besoin de savoir où tu es, ce que tu vis, ce que tu écoutes. J'ai besoin de savoir à quoi tu tournes maintenant. Au hache, au crack, au speed, à la colle, à la brune. J'ai besoin. C'est pas pour moi, c'est pour gagner une gamme, tu comprends? C'est pour goûter la montée. Alors peut-être que le Lucifer sardonique viendra pour séparer mon âme. Allô? Allô, Pivi? C'est vous? Allô? C'est bien vous? Oui. C'est bien vous qui avez appelé en 1979? Oui. En 1989, en 1999, 2009, en 2019 aussi? Oui. Aujourd'hui encore? Oui, oui. C'était à quel sujet déjà? Alors je vous ai appelé pour vous parler de Lorenz et de ces gens... De Ganningham, c'est un pauvre chanteur et une pauvre commune, et comme toutes les pauvres communes et les pauvres chanteurs, ils souffrent. Oui, ça y est, je vois, un truc avec des pauvres, c'est ça? Vous travaillez avec des pauvres, c'est ça? Des publics en difficulté sur un territoire prioritaire, c'est oui, ça? Voilà, c'est ça, disons ça, alors c'est ça. Mais bravo, c'est super ça, bravo pour ça. Ben merci, vous savez, on n'a pas fait exprès... Mais... Oui? Mais des pauvres, on en a déjà plein. Oui, non, mais c'est vrai qu'ils sont nombreux, hein. Mais c'est-à-dire qu'on a pour mission de bosser avec des publics en difficulté. On le fait déjà. Les minorités, on coche. Les pauvres, c'est déjà fait. Alors, bravo, mais on a déjà nos pauvres. Merci. Attendez, attendez. Lorenz, Ganningham, moi, c'est différent. C'est tellement différent. Ces gens, ce chanteur, si beau, singulier, subaquatique, semi-gazeux et si beau... Vous voulez pas nous donner audience juste une fois avant la fin du monde, avant la fermeture définitive des portes, avant le grand désert? Well, well, well. Écoutez, je vais vous tenir un langage de vérité. La période est hyper compliquée pour tout le monde. Il y a trop de mouvements au niveau des décisionnaires de décision, vous voyez? Ça marche vite à l'étage au-dessus, ça court. Même avec notre toute nouvelle Stan Smith, on n'arrive plus vraiment à suivre. C'est dur. On ne suit plus, on ne bouge plus, on flippe. Alors pour l'instant, c'est non. Mais attendez... Mais tenez-nous au courant. On va vous noter. Je note, je prends le message. Les pauvres, Laurence... Lorenz. Ok, ok. Lorenz. Ok. Noté. Merci, bravo. Et rappelez-moi, en 2029. 2029. Kazání knihy za zvoní fatě, že se bude stejně dělat ty hora pozby. Na noc tak se dostává. Lorenz est partout. Je vois des Lorenz dans chaque visage de Ganningham. Un monde privé de Lorenz est un monde perdu. Donc cette chanson, When You Depress, c'est la meilleure chanson qui a jamais été écrite sur les maniaco dépressifs. Et la vidéo, c'est le meilleur pied de nez de Lorenz à l'histoire. Je vais vous expliquer. En fait, dans la vidéo, il y a une jeune actrice qui incarne Lorenz. On la voit partout, à la ville, à la campagne.
Et en fait, elle a la casquette à visière bleue transparente, les lunettes de soleil, le perfecto avec le mot kill. Mais c'est pas tout. Elle lui ressemble. Et l'image fixe ça pour l'éternité. C'est génial. Lorenz est à la fenêtre, en haut de sa tour. Il fume sa clope, plonge son regard au loin, aperçoit la silhouette d'Abdel qui rentre dans son domaine de Ganningham. Un salam à la passibilité à quelque de la misère. D'autres en sont morts. Mais qui est là? Qui est toujours là? Et Abibou le salue. Je vais devenir une sorte de roi. J'allais monter sur le trône. J'allais devenir, comme on dit, une personnalité dite célèbre. Pourtant, quelque chose à déconner, je ne sais pas quoi. La lumière, je suis là, Ibn l'éclateur. Et je supplie les mecs par un peu de matos. Mon visage est en feu. Je parle avec une voix de robot. Je suis plus humain désormais. Si, je suis plus blessé. Quelque chose à déconner, mais je ne sais pas quoi. Le succès n'a pas fui Lorenz. Lorenz a fui le succès. Le roi brisé est hors du trône. Vivre dans l'ombre est un destin ou un choix. Si vous ne comprenez pas l'obsession de Lorenz, toutes les personnes que j'aime sont enterrées. C'est vrai. Mais je m'en fous. Je me souviens d'elle. La sainteté existe-t-elle en dehors de l'existence? Toutes les personnes que j'apprécie sont sous la terre. Ne vous êtes perdu que rattrapé. Et vous êtes enregistré. Parce que j'ai des besoins limités et des rêves modestes et que je crois à la magie. Il existe un monde parallèle au nôtre, où une vision éternelle de Lorenz demeurera à jamais. Alors le reste peut bien s'écrouler. Laissez la place aux données autonomes et aux herbes folles qui poussent sur le quai de la gare de Ganningham comme autant de visions d'un futur privé de nous tous. Il restera dans la matrice jusqu'à la fin des temps l'image d'un Lorenz errant, môme éternel, portant sur son perfecto vengeur ses rêves de gloire et de rock'n'roll. Lorenz a gagné. We'll be right back.
Thank you.